Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire la composition de plusieurs images, c'est-à-dire travailler sur un fichier, un visuel numérique, voilà, avec l'exemple du burger. Donc, on va utiliser le burger comme le produit, voilà, le produit phare de la conception, quelque chose. Donc, c'est avec le burger qu'on va faire la conception. Donc, l'objectif, c'est de vous mener dans cet univers de trouver plusieurs images, essayer de coller pour pouvoir de pouvoir faire la communiquer en fait. Je sais pas si vous voyez un peu la communication, si vous voyez un peu ce que les visuels précédents, on a l'habitude d'utiliser soit les formes, des images, ainsi de synthèse, mais pas d'une composition de plusieurs images. Donc là, on va parler de la composition de plusieurs images, c'est-à-dire utiliser l'arrière-plan, utiliser un élément comme la table, utiliser un peu une personne, utiliser des trucs pour assembler et donner quelque chose de très intéressant. Donc, on va aller sur Photoshop, on va tester cette expérience ensemble. Et maintenant, si vous avez toujours des difficultés, on a tous les fichiers du projet dans la description pour cliquer pour aller télécharger. Et aussi, vous avez, comme on peut dire, vous avez aussi le lien du groupe WhatsApp pour ceux qui sont intéressés pour intégrer le groupe WhatsApp. Lorsque vous allez faire des visuels, vous envoyez directement, on va essayer de critiquer ensemble. Donc là, on va directement sur Photoshop, on va fermer les différents, je vais laisser le truc là, on vient là, on va créer un nouveau fichier. On va mettre 1080 x 1080 comme unité de mesure, 1080 x 1080 et on fait créer. La résolution c'est 300. Voilà, l'autre côté on avait utilisé la résolution 75 pour le kakimono parce que c'est 2 mètres. Ça 1080 c'est 15 cm. Voilà, donc c'est pas grande échelle. Donc là vous prenez 1080 avec une résolution de 300. Donc là je suis en train de chercher mes images. Ok, donc je prends d'abord la table, je vais faire un petit détourage d'abord autour de la table. Voilà, donc je prends l'outil baguette magique, je vais cliquer ici. Automatiquement je vais enlever le fond. Donc c'est comme ça, on fait CTRL I pour inverser la sélection, tout simplement CTRL I pour inverser la sélection. Je vais appliquer et là je viens là CTRL T, on va essayer de réduire la taille. Fais descendre juste un peu comme ça. Ok, donc on va maintenant faire venir le burger. Là, le burger là, ici. On va prendre le burger, on l'envoie là. Préféré, fais ça. On prend l'outil baguette magique encore pour essayer de faire la sélection. Je viens là, outil sélection rapide pour ajuster. Je fais une partie. Okay. Je viens là, toc, CTRL I et je vais appliquer. Tout simplement. Donc je prends là, je viens dans cette partie. Je le dépose, CTRL T, on va réduire sa taille. Comme ça. Tac. On le pose là. On va essayer de faire monter juste quelque part là. C'est bon. On va lui créer ombre, une ombre. Donc on va ajouter un nouveau calque. On va prendre l'outil pinceau, raccourci clavier B, on va prendre la couleur noir, tout noir, 6 fois 0. Vous voyez là le code couleur. Donc je vais cliquer ici. N'oubliez pas de changer la dureté ici. La dureté, mettez à 0 pour avoir ce genre de truc. CTRL T, on va maintenir le contrôle. On va faire descendre cette partie comme ça. On va essayer de placer ça là. On va aplatir encore. On va valider. On va faire ça. Et on va augmenter un peu sa taille. Comme ça. Fait descendre. Ok. Lui, on va verrouiller son calque. Ok. On va sélectionner
les deux éléments. J'essaie d'agrandir un peu. On va bouger juste là parce que ici on va mettre un personnage. Donc, ou soit peut-être. Je fais CTRL-J. Je vais bouger celui-là juste un peu. Et lui il doit passer en arrière-plan parce qu'il va agrandir un peu sa taille. Voilà. Donc là on va dupliquer celui-là comme ça et on va ici venir, on va incruster une couleur blanche et la couleur blanche je vais prendre l'outil pour les peintures, je vais mettre du blanc et là vous n'allez pas voir, je pense que ça n'a pas été appliqué, j'ai créé un nouveau, je vais appliquer du blanc et là c'est venu. Je masque celui-là, si vous masquez, vous allez voir qu'il y a du blanc. On fait CTRL-D. Et ce blanc-là, on va essayer de pousser juste un peu comme ça pour donner un peu du flair. Comme ça. Voilà. Donc après ça, on va aller prendre notre ciel. On va faire ça. Le ciel bleu, on va faire venir. Ici. Et on va agrandir. Un peu encore. Un peu. Ça. On va faire descendre comme ça. Okay. Donc ce qu'on va faire par la suite c'est ajouter un flou gaussien pour que on ne voit pas les trucs assez comme ça. Je pense que c'est bon. Et on va mettre un masque, mettre celui-là à 2000 peut-être, voilà, un peu plus grand, on va faire ça. Okay. Et là, on va faire venir encore un nouveau calque, un groupe, un nouveau calque, et on va mettre du blanc ici entre la table et le ciel, ça me donne cet effet de détachement, en fait. Du détachement. Ok, donc maintenant on va faire venir le monsieur, le personnage qui va nous créer effet du délire du genre comme ça. On va faire descendre juste au-dessus de la table comme ça, on fait monter comme ça, voilà. Donc après ça on a des du piment qu'on doit faire venir, je crois bien que j'ai ça ici. On va aller dans Photoshop, ouvrir. On n'a pas fini avec l'image, il y a un truc à faire. Je vais finir avec toutes ces images là. Donc directement je prends US faire sélectionner un sujet. Donc j'attends que ça soit sélectionné. On attend le la progression. Voilà. On attend tous la progression qui c'est super. Après avoir fini, je vais venir là, appliquer. Je prends ça, je fais venir. J'ai oublié quelque chose, je crois bien que j'ai pas appliqué. Boum, boum, boum. Je vais masquer ça. C'est fait. Je viens là. CTRL-T, je vais réduire sa taille. Comme ça. Et je vais envoyer une autre ici. Je vais faire comme ça. Réduire sa taille. Et je vais envoyer ça peut-être une autre là.
lui aussi, je vais réduire un peu sa taille. Donc là, je vais appliquer rapidement un flou gaussien, un flou directionnel sur tous ces éléments-là pour donner un peu de flou directionnel. Et là, on va appliquer un flou directionnel. Okay. Ici aussi, on peut l'ajouter pour voir un peu ce qui se donne. Et sur le personnage, puisqu'il est en cuir, donc il va falloir que on écrit, on fait un effet de sous forme de mouvement. Donc on va appliquer aussi un flou directionnel sur le personnage. On va essayer d'augmenter un peu pour avoir ce genre de flé là. Ok, on va faire descendre juste un peu. On va sélectionner tous ces éléments. On va masquer. On va sélectionner le. On va sélectionner le personnage. Je vais descendre juste un peu. Ok. Donc ici on a délicieux. Délicieux. On va réduire un peu. Délicieux, on va placer ça ici et on va dupliquer et plutôt mettre du rouge à l'intérieur. On fait descendre juste un peu. Délicieux, et là voilà. Et puis on va mettre food menu. Ça, on essaie de réduire. On essaie de réduire. Je vais mettre ça guitare, ce sera peut-être ici. Ça, ok. Délicieux. Donc ça, on peut pas laisser simplement comme ça. Il va falloir qu'on essaye d'appliquer un style pour rendre ça encore plus intéressant. Donc là, on va appliquer l'angle. L'angle, on va mettre du blanc. Et là, on va appliquer un contour rouge. Simplement, est-ce que ça donne quelque chose de très extra? Je ne trouve pas. Est-ce que ça donne quelque chose de très extraordinaire? Plutôt si on enlevait le contour et qu'on essaye avec un dégradé, bon, peut-être que ça peut donner quelque chose de très intéressant. On va voir le rouge. On applique ça. L'orange. Pas trop. Donc ici par exemple on va mettre un truc en rouge. Je pense bien que le rouge domine, c'est normal. On va mettre un peu trop doux chez moi. Un peu comme un slogan du genre, voilà. On va changer, mettre ça en blanc. On va essayer de mettre ça sous forme fantaisie. Voilà, je pense qu'avec un Montserrat ça peut aller. Un Montserrat, je pense que ça peut aller. Avec un truc assez simple comme ça. Et là on va trouver
le feu qui se trouve juste là. Je crois qu'il y avait un feu qu'on avait téléchargé là. Voilà, on va mettre ça sur le burger. On va mettre ça sur le burger. On souhaite, on a possibilité, ça dépend de votre créativité. Vous pouvez le placer là où vous voulez. Il va falloir qu'à chaque instant vous ayez une idée pour pouvoir justifier en fait. Ça, le côté créatif de la chose. Là, par exemple, celui-là doit être ici. Le feu qui fait chambouler. Là, on met un petit truc là pour les coordonnées. On va essayer de, on va mettre comme ça. Et on va mettre du blanc comme ça. Fait bouger un peu. Et là, on va rapidement trouver. Là, peut-être on pourrait déposer une bouteille de, je sais pas quoi. Mais je pense que c'est bon. C'est pas. On va pas trop se casser la tête. Je retourne sur le. Voilà, je vais prendre. Ça, je vais déposer ici. Je vais mettre. HK Food. HK Food. Et on va venir là encore. Pour prendre celui-là, on va l'appeler. Ça, c'est le téléphone. On va mettre 07 00 00 00 00. On va changer la couleur après la couleur de l'icône. Et maintenant, on va aller chercher le. La position, et là on place ça ici. La position, c'est Abidjan. Abidjan, tout simplement. Plein de choses qu'on peut apporter en plus sur ce visuel là, parce que pour moi c'est pas complètement terminé. Là tout ça, on peut acheter des effets créatifs qui pour donner encore plus d'effets. Mais plus on veut acheter des effets créatifs, plus le logiciel et le tutoriel devient encore plus long. Donc là on est là, je pense que on a, il manque quel élément, il y a plus. Pas grand chose. Okay. Donc je pense que ici on va essayer de changer la couleur des icônes là. Donc vous voyez les deux éléments là, je vais faire CTRL J pour créer un groupe, et je vais faire double clic sur cette partie, voilà, pour incruster une couleur, la couleur blanche. Incruster là, on a la couleur blanche qui a déjà sélectionné, donc ça nous permet de sélectionner automatiquement tout ça pour rendre la le truc encore plus attirant. Je vais faire ça, et je vais mettre je vais mettre du blanc. Du blanc. Je vais cette fois-ci faire passer en dessous.
Là, on s'est obligé de désactiver celui-là d'abord. Désactiver les effets. On va désactiver les effets, voilà. On va prendre. On va le mettre là. On sera obligé de changer sa couleur, soit peut-être en rouge, soit en noir. On va bouger celui-là aussi. Ici, on va CTRL T, on va réduire sa taille. Comme ça. Donc maintenant, ces deux-là, on va changer la couleur maintenant en rouge peut-être. On va essayer d'appliquer à nouveau. On va changer ça en rouge maintenant. Tac. Ok. Donc on essaie de faire ça. Je pense que c'est pas mal. Donc là, on va s'arrêter pour cette vidéo. Je pense que ce tutoriel là, vous allez apprendre énormément de choses. En ce qui concerne un peu la composition, tout. Donc je pense que je vais préparer encore un tutoriel encore plus intéressant que ça. Voilà, dans la prochaine session. Okay, donc on se retrouve à très bientôt. Merci.